Salut les amis, me voilà reparti pour une randonnée de 3 heures et quelques en fait. Donc sur les bords de Marne, je pars de la ville de Dampare. Alors je sais pas que c'est comme ça qu'on prononce Dampare, Damar, j'en sais trop rien. Donc voilà quoi. Donc me voilà reparti pour faire un petit tour sur les bords de Marne. En partant donc de Dampare, je vais reprendre une partie de la randonnée. C'est tout en bord de Marne quand je pars de Carnotin. J'ai fait modifier un petit peu le parcours qui me plaît pas trop. Parce qu'à un moment donné, il veut que je parte dans le champ et ça me défrise un peu hein, en fait. Donc je préfère marcher sur les bords de Marne, aller manger là où je mange d'habitude, là, quand je fais le petit tour en bord de Marne. Je vais manger en bord de la Marne en fait. Donc voilà. Donc meuble reparti, là il y a des avirons, hein, c'est cool. Donc voilà, là, le décor un peu. Hein. Je vais me taper ça tout du long. Et puis après je vais revenir par un petit bout de la nuit, redescendre par mon ancien lycée. Et puis voilà quoi. Donc bah, je vais vous filmer ça et vous me direz ce que vous en pensez. Alors par la suite je la referai avec une autre caméra parce que là je vais filmer un peu avec mon caméscope. Mais par la suite comme je vous l'ai dit je vais investir dans une DJI Osmo qui se prononce DJI, une américaine. Et donc je vais acheter ça, ça va me coûter moins de 600 balles à peu près, 673 €. Stabilisé et tout, ça va être sympa. En plus de ça, je pourrais foutre un filtre pour la raison dessus, ce qui me permettrait de récupérer les couleurs. Parce que mon petit caméscope, il est bien, mais il est trop pâle. Et puis, il est bien trop pâle, et puis bon, bah, le problème c'est que ça bouge énormément. J'arrive pas à faire la mise au point, enfin bon, un peu le bordel quoi. Donc je vais vous filmer ça avec la DJI la prochaine fois. Que je viendrai là, comme ça vous pourrez comparer le caméscope de la DJI, comme ça vous verrez la différence. Puis pour moi ce sera plus confortable, plus tranquille en fait. Ce sera plus confortable, plus tranquille, voilà, je ferai des belles images, des beaux films. Ça bougera moins, ce sera plus calme, la couleur sera meilleure. Et puis voilà quoi, donc vu que je vais faire de plus en plus de rando, je vais filmer de plus en plus. Je vais investir dans du matos de compète. Bon, ça reste de l'amateur, hein. C'est pas du professionnel. Par la suite, après ça, je vais investir aussi dans un drone. Parce qu'il y a quelques endroits où j'aimerais bien faire des vues aériennes qui ont l'air d'être vachement bien. Mais bon, les vues aériennes, il me faut un drone pour ça. Donc voilà. Hein, comme par exemple ici, trouver un petit coin décollé, hop, un petit tour au-dessus de la mare, on s'en garde pas le foutre à la faute. Alors ça, c'est pareil. J'ai deux drones qui m'intéressent. Un à 800, l'autre à 1400. Mais celui à 1400 est quand même beaucoup mieux que 800. Surtout au niveau autonomie de vol. Donc je sais pas, je me tâte. Je verrai ça plus tard. Bon bah je vous reprends plus tard. Allez, ciao. Merde, raté. Oh, dommage pour vous. Je voulais vous montrer un oiseau qui partait, je crois que ça doit être un signe. J'ai pas eu le temps de bien voir parce que je suis en train d'essayer d'allumer la caméra. Pas de bol. Ça sera pour une autre fois. Salut. Salut les amis. Bon, bah, je suis en train de me promener tranquillement au bord de Marne, hein. On voit pas grand chose. Parce qu'avec avec la végétation, on voit pas trop la Marne. Ben bon, je suis sur un petit chemin tranquille entre champs et la Marne quoi. Bon, j'ai oublié qu'il y avait ce voie ferrée à côté et tous ces cons de conducteurs qui n'avaient pas klaxonné. Mais sûrement, à part ça, ça va, c'est plutôt tranquille. Donc ben voilà, ben le temps est un peu mitigé hein. Il y a des éclaircies mais il fait pas super beau. Bon, il fait pas chaud non plus. On est pas mal quoi en fait. Au moins on transpire pas. Bon, de toute façon c'est une petite randonnée tranquille hein. Cette randonnée est plutôt peinard. Ah, c'est pas celle des trois pignons que j'ai fait dernièrement avec mon pote Franck qui m'a défoncé les pattes. Là, c'est bien pour la récupération en fait. Donc je vais en refaire une dimanche. Dimanche, je vais aller à Pierrefonds. Et je vais aller faire une randonnée que j'ai créée en fait. C'est moi qui ai fait le tracé. Je vais voir ce que ça va donner. Faire des corrections de descriptif. Et puis après, je la mettrai en ligne.
si ça peut intéresser d'autres randonneurs. La randonnée ne sera pas très longue, elle fera que 3h. 3h30 parce que 12 km environ. Parce que c'est le logiciel Visio Rando qui calcule ça. Donc voilà. Donc vous filmerez ça de là aussi, hein, Pierre Fond. Voir si elle est bien, si elle est pas bien, voir si j'ai bien fait mon tracé. Normalement, je ne devrais pas croiser trop de routes. Je crois que je vais en croiser une ou deux. Je vais partir par le château de Pierrefonds et donc le lac de Pierrefonds. Je vous filmerai tout ça, c'est... ça pourrait être sympa. Une bonne balade en nature, beaucoup de forêt. Bon, il n'y aura pas de point de vue exceptionnel à voir, mais... ça pourrait être sympa quand même. Donc la Marne avec les jeunes qui font de l'avion. Pas facile l'avion comme sport, très complet, très dur pour les poumons et le cœur, excellent pour le cardio. Il manque, j'ai mon rameur. Oui, je sais, je raconte encore ma vie, mais bon, voilà, faut bien que ça serve à quelque chose, les caméscopes. Hein. Bon, ben voilà, je vais vous laisser, je vous filmerai un peu plus tard. Parce que bon, là ça va être comme ça tout du long, un bon moment. Donc dès que tu auras un petit coin dégagé, un peu joli, je vous filmerai ça tranquille. Je vais pas tarder à essayer de trouver un petit coin propre pour faire ma postée. Si je pouvais m'approcher de la flotte, ce serait bien. Mais bon, on verra bien. Hein. On peut pas tout retrouver dans la vie. Bon, ben voilà, à plus. Alors ça, c'est dommage, les mecs. Tu vois, il y a des gens qui ont des jolies petites maisons, vues directement sur la Marne. Hein. Voilà la Marne, hein. Juste devant chez lui. Hein. Le mec, il est sur la terrasse, boum, il voit la Marne, direct. Super cool. Par contre, de l'autre côté, voilà ce qu'il a. Une voie ferrée. Et ça, c'est relou. Et là, des belles petites maisons qui sont bien placées, mais avec une voie ferrée derrière, c'est beaucoup moins cool, quoi. Donc c'est dommage, quoi. Je sais pas si vous voyez chez monsieur que c'est qu'il est. C'est-à-dire, le gars, il est bien tranquillement chez lui, sur la terrasse, en train de boire son petit café, devant la Marne. Et de l'autre côté de la maison, il a quoi? Une voie ferrée. Bon, pas de bol. Ça, c'est dommage, ça. Et finalement, ça gâche tout. Voilà, à mon avis, dans le temps, il devait y avoir un ponton, mais... parce qu'il s'est passé, tout est pété maintenant. Tous les blocs ont été cassés, c'est con, ça. Donc voilà, il y a quelques maisons comme ça, au bord de Marne, qui sont vachement bien, hein. Mais malheureusement, de l'autre côté des maisons, il y a des voies ferrées. Ça c'est moins cool. Et finalement les gens s'ils veulent être tranquilles, et ben pff, le train c'est mort. Bonjour les chiens. Ouais, il fait barre, non. Donc voilà, encore des petites maisons bien tranquilles, mais bon malheureusement. Tranquille que d'un côté quoi. Et des vieux bateaux. C'est quand même dommage d'avoir des beaux petits coins comme ça et puis d'être emmerdé par une voie ferrée. Enfin bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Encore une belle petite maison. Bon, lui, il n'y a pas grand chose parce qu'il n'a pas coupé les arbres. Mais... et une belle terrasse, ce monsieur, c'est dommage. Moi, j'aurais coupé les branches, tout ça. Et hop, petite vue sur la Marne, bien jolie. Après, est-ce qu'il a le droit de les couper? Ça reste à voir. Et c'est pareil, hein, ici. On est en Île-de-France. En Île-de-France, il y en a certains qui ont tous les droits, puis d'autres qui n'ont pas. Donc c'est dommage, quoi.
quand même belle petite maison. Bon, ça coûte pas cher l'entretien, lui. Hein. C'est dommage. Je sais même pas si c'est encore habité, ça. Ça a pu être habité maintenant, parce que j'ai l'herbe qui fait presque 2 mètres de haut. Ah, c'est pareil, celui qui veut remonter ça, il remonte ça une misère avec la voie ferrée derrière. Hein. C'est dommage. Hein. Ah. Pour ceux qui ont marre de faire des jardins, hein. Voilà. Ou bien on s'est robot là-dedans, puis il fait le boulot à votre place. Alors je sais pas ce que ça vaut au niveau d'attente ce truc-là, mais... Merde, attendez, je l'ai perdu. Ouais, le bordel. Fait le jardin tout seul. Là, vu la longueur qu'il y a... Ah, il fait pas de bruit, machin, mine de rien. Ah, après, qu'est-ce que ça vaut au niveau de la tonte, ça, je peux pas vous dire. Hein. Oui, qui se trouve derrière cette tondeuse, hein, c'est le train, pas la tondeuse. Hein. Je précise. Bon, après, il faut demander aux gens ce qu'ils en pensent, quoi, mais bon. Ça me paraît un peu limite comme truc. Surtout pour un grand terrain comme ça, il vaut mieux investir dans un petit tracteur. Les gars, je peux vous dire qu'il y a de quoi ton, hein, la vache. Les gars, il y a de quoi ton, alors je pense que s'ils comptent sur ça pour ton tout terrain. Encore une autre belle petite maison. Pareil, ils n'ont pas coupé devant, c'est dommage. Ah, il n'y aurait pas cette voie ferrée, ce serait super, non? Bon, malheureusement, la voie ferrée, quoi. Il y a carrément une clôture, mais je pense que c'est les gens qui habitent dans le bateau qu'on fait ça. Il y a un bateau en dessous, je crois que ça vaut ta vue, ça. Ça c'est la tondeuse. Ah, c'est ça, c'est des gens qui vivent sur le bateau. Ah, c'est vachement bien aménagé parfois ici. Hein. Ah, il y a un gars qui vit sur son bateau, il a aménagé le ponton et tout. C'est tout beau, tout joli. C'est bien entretenu. Bon, sur ce, je vous laisse. A plus. Bah attendez, je vais filmer un petit peu plus loin quand même. Donc il y en a qui vont s'en merde aussi. C'est très bien, puis après ils brûlent. Mais... Ah voilà quoi. Nous sommes encore chez des gens. Il est à côté l'oiseau. Bah. Un bateau blanc, mais je le vois pas sur la prime. C'est qu'il est caché. Pourtant il va être là. Je le vois pas. Bah. Je le vois en vrai, je le vois pas sur le film, c'est quand même pas mal. Ah si, il est là. Petit oiseau. Plusieurs. Bon, le problème c'est que cette caméra est tellement claire que un oiseau blanc un peu de mal à voir quoi. Allez, je vous laisse, à plus. Bon, je viens de quitter le chemin là pour m'arrêter ici à côté d'un court de tennis pour boire un petit thé. Bon voilà quoi, le court de tennis
Ouais, y'a personne, hein. C'est pas le meilleur coin que j'ai trouvé pour faire une procès, mais enfin bon. Il y a une espèce de parking et des containers, il y a du bruit, enfin bon, bref. Bon, je vous avoue que c'est pas une randonnée que je referais, hein. Elle me plaît pas des masses en fait. Depuis tout à l'heure, je suis emmerdé par le train, par les bateaux sur la Marne, maintenant il y a des agriculteurs avec un tracteur. Trop d'habitations, trop de civilisations, ça me plaît pas des masses quoi. Je préfère la petite randonnée de Carnotin, donc celle-ci, je crois que je la referai pas deux fois. Hein. Donc pour ceux qui voient l'affaire, bah vous me le dites, mais moi je vous la conseille pas en fait. Prenez plutôt Carnotin, Carnotin, c'est top. Ici, si c'est pas génial en fait. Pour l'instant, ça me plaît pas des masses. Bon après, je vais reprendre la route de Carnotin, donc je vais m'arrêter de manger là où je mange quand je fais la randonnée de Carnotin. Et puis après, je reprends la forêt, tout ça, je remonte. Et après je vais redescendre par ma part à mon lycée tout ça pour redescendre ma voiture. Mais ouais pour l'instant c'est pas terrible terrible quoi. Trop de vie ici, trop de civilisation. Hein, je vous montre, hein, voilà. Là il y a un parking, là-bas un bâtiment, le terrain de tennis, il y a des baraques partout. Là je viens de voir des péniches aménagées. Bon. Ça me plaît pas trop ce coin là. Pas assez sauvage. Ça me fait chier. Bon. À plus. Salut les amis. Ah, le pont de la voie ferrée. Ou l'ancien pont de la voie ferrée, parce que apparemment celui-là ne marche plus. Hein. Vous voyez, les quinténaires ont été débranchés. Et le nouveau pont est juste à côté. Bon, peut-être faire habiter pour les voitures, tu vois. Bon, normalement j'aurais commencé plus tranquille. Donc je vais continuer ma rando jusqu'à l'endroit où j'ai mangé la dernière fois là. Puis après reprendre par. Attendez, je regarde. Ensuite je vais reprendre en direction de Dampard, redescendre ma bagnole et puis me barrer d'ici quoi. Enfin bon, randonnée. Déçu quoi, vraiment très déçu. J'aurais peut-être dû zoomer un peu plus sur la carte pour voir un petit peu l'état du secteur. Si j'avais eu tout ça, même pas chaque nuit là quoi. J'aurais préféré faire ma petite randonnée à Carnotin. Ah lui, il est tranquille lui. Allez, hop. Au sec les bestiaux. Donc mille fois je préfère la rando de Carnotin. D'ailleurs on en voit le résultat ici. La merde partout, c'est dégueulasse. Donc là normalement je vais retourner sur la rando de Carnotin qui doit se trouver par là-bas là. Un peu plus loin derrière la petite cabane là-bas. Je sais pas si vous la voyez. C'est qu'elle est, elle est là. Voilà, donc je vais passer le long de ça. Et mon coin pour manger sera plus loin. Donc à partir de là, ça devient un peu plus agréable. Normalement, je devrais reprendre ce chemin là, mais ça me plaît pas. Donc je vais tailler là-bas, longer la Marne, et m'arrêter là où j'ai mangé la dernière fois. Vous voyez, le chemin il est là-bas, là. Le chemin que je vais reprendre après. Plus loin par là-bas, avec la forêt au bout. Donc ça rappellera des souvenirs à Laurence, mon ami de l'eau. Si elle regarde cette vidéo, ça va lui rappeler quelque chose. Parce que de toute façon, il n'y a qu'à Canu pour l'instant. Bon, voilà, je vais profiter un petit peu de la nature là maintenant. Ça va commencer à être un peu plus agréable.
C'est con parce que la Marne est pas loin, mais du coup j'étais obligé de m'écarter à cause d'une passerelle créée par le département. Je me suis retrouvé au milieu des manouches et tout, en vrai bonheur quoi. Tout ce que j'aime. Donc ouais non, c'est pas une randonnée agréable, je la referai pas celle-là. Je préfère faire celle de Carnotin. Je suis plus tranquille. Voilà. Plus calme, plus détendu le bordel. Et plus ça batoche. Mais bon, celle-là, je la connaissais pas, donc je voulais la faire. Bah maintenant que je la connais, je la ferai plus. À chaque fois, je me dis qu'il faut que je regarde sur Google Earth le satellite, là, voir comment c'est, machin. Puis à chaque fois, j'oublie. Bon, c'est pas grave. Eh oui, il y a le train qui est pas loin. Un petit coup de klaxon, des fois que j'aurais pas sans bien entendu. Donc j'y vais, je la referai plus. Je suis vraiment élu. Et puis voilà. Donc voilà, c'est une rando que je déconseille. Je vais la virer de mes favoris, moi, parce que pas question de m'en foutre des bêtises. Voilà. Normalement, ces deux pierres fonds devraient être mieux parce que j'ai quand même bien regardé sur Google Earth la trajectoire. Normalement, je devrais pas être trop embêté par la circulation et par la foule. Normalement, ça va être une rando comme je les aime, moi, il n'y a personne. Bon, bah les petits loups, je vais vous reprendre là où je vais manger. Parce que j'en suis plus très loin. Je devrais y être d'ici 20 minutes. Et continuer ma petite rando tranquille, voilà, à plus. Bon voilà les amis, je vais partir de mon petit coin où j'ai bivouaqué, enfin où j'ai déjeuné pardon. Bon vous le connaissez déjà ce petit coin, hein. C'est là où je viens manger quand j'ai fait mon petit tour en bord de Marne. C'est ici que j'ai raconté un peu ma vie. Hein. C'est ici que je suis venu déjeuner dernièrement avec mon ami Lolo, qui est venu faire cette rando avec moi. Bon, bah du coup, là maintenant, je vais reprendre le même chemin que la petite randonnée en bord de Marne, hein, qui consiste à remonter là-haut, là. Ensuite, je vais rejoindre le rempart, je vais longer la nuit jusqu'à mon lycée, que je vous avais montré le mur la dernière fois, là, je vous avais montré le mur. Bon, bah là, je vais redescendre par là, puis je vais refiler directement ma bagnole, quoi. Donc là, on est dans un petit coin peinard, on est bien, là. Bon, je vous le dis, c'est une randonnée, je ne referai pas deux fois, hein. Ouais, pas terrible en fait. Vaut mieux que je fasse un petit... Voilà, c'est là que j'ai mangé. Elle était bien là. J'ai mangé, j'ai fait une petite sieste, ça m'a fait du bien. Vous voyez, un petit peu de vent aujourd'hui, c'est un peu chiant. Mais bon, ça cache un peu la chaleur aussi quoi. Donc, ça casse la chaleur un peu aussi. Excusez-moi, hein, j'ai dû m'articuler encore. Bon, bah voilà. Donc c'est reparti. Donc je vais pas vous filmer ce chemin là parce que vous connaissez déjà. Ça sert à rien, je vais pas refilmer 15 000 fois. Donc quand je fais un petit tour en bord de Marne, je viens de là-bas en fait. Voilà, je viens de là-bas. Et là, je suis venu de là-bas. Donc en fait, j'ai pris la Marne à l'envers quoi, dans l'autre sens. Mais c'est moins bien. Je la referai plus, je referai l'autre plutôt, l'autre est mieux. Bon, sur ce... A plus, de plus. Salut. Bon, salut les amis. Bon, ma rando est presque terminée. Hein. Tu vas être là-bas au deuxième stop, moi, je crois. Ouais, ça va être ça. Parce que là, je sais pas si on peut reprendre à droite, je crois que c'est l'autre d'après. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre d'après, il me semble. Quoique je suis plus sûr, mais enfin bon, bref. Enfin bref, je me dirige vers ma voiture. Hein. Bon, c'était pas une randonnée super. Hein. Je verrai si je vous mets des explications dans la vidéo parce que bon, y a des séquences qui sont pas terribles. Donc je vais essayer de réduire la vidéo au maximum et puis voilà. Ce sera pas une grosse vidéo, je pense. Je viens de passer devant mon ancien lycée professionnel. J'ai pris un coup de vieux les mecs. Hein. Oula, il y a du changement. Hein.
J'ai revu mon ancien atelier de menuiserie. C'est pas la meilleure époque de ma vie, mais enfin bon. Voilà quoi. Ah si, bah si, c'est là. Donc, voilà, je suis plus train de ma bagnole. Hein. Ah, il y a quelques souvenirs dans le coin ici. Hein, qui me remontent là. Ça fait bizarre. Elles ont mis un grillage au-dessus de la voie ferrée avant de traverser la voie ferrée pour passer de l'autre côté. Quand on était plus jeune. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont foutu un grillage. Ils avaient peut-être marre d'avoir des petits cons qui passaient la ligne. C'est ça là, on a traversé. Hein. On y est. Pour ceux que ça intéresse, avant je venais ici manger avec ma voiture. Comme il n'y avait pas de quick à Clay, enfin à Villeparisis à l'époque, il n'y en avait qu'un seul à Lagny. Et donc je venais chercher mon quick à Lagny et je revenais des fois ici manger. Bon, il n'y avait pas toute cette merde devant là. On voyait bien la Marne, on était bien là. Et donc voilà, je venais manger là. Et après j'étais manger un peu plus loin là-bas avec mon ami Cyrine. Je vais faire une petite photo lui envoyer, ça va peut-être lui rappeler des bons souvenirs aussi. On mangeait dans son camion d'entreprise, hein, il avait un camion avec une porte latérale. On mettait le fauteuil de mousse, on se calait là-bas avec le quick, on bouffait notre quick devant la Marne, comme deux pachas. Ah, je vous jure qu'on était bien. Ah, c'était la bonne époque ça. C'était la bonne époque. Bon, maintenant avec toutes les bagnoles qu'il y a pour s'y garer, bah accroche-toi. Il y a toujours du monde dessus quoi, apparemment. Je vais quand même essayer de faire une petite photo. Voilà, là, vous avez la Marne ici. Et là, je suis dans la rue du Lavoir en fait. C'est assez sympa ici. Bon, bah, je vous reprends tout à l'heure, les enfants. A plus. Donc bah, je suis en route pour ma bagnole, je suis plus très loin. Alors là, je viens de voir deux spécimens de connards, mais alors quelque chose de bien. Qui pêchent au milieu du chemin, qui emmerdent les gens, et puis qui se permettent d'insulter les gens sur le bord de la route. Bon, bon moi, il a commencé à me faire chier, j'ai pas répondu, parce que bon, c'est un vieux, un gros sac, un bibé de dinas. Bon, je vais faire quoi? Je vais m'énerver, ils mettent un coup de pompe dans le cul et finir la faute. Bon, c'est pas intéressant. Laissons les cons où ils sont. Ils ont emmerdé deux randonneurs. Le mec il dit que s'il était marchand, il aurait honte de marcher. Ouais. Enfin, vu dans l'état où il risque pas de marcher demain, je te le dis. Préfère rester assis sur son gros cul à se pivoiner la gueule, la vinasse. Enfin, bref. Bon. Voilà. Ça, c'est joli. C'est dommage que ce soit pas comme ça tout du long, quoi. Bon, là il y a un petit banc les loups, je vais m'arrêter tranquillou pour monter, parce que, pff, ouais, ou je bois là ou je rentre chez moi, donc tant qu'à faire autant boire là, c'est quand même joli. Donc comme ma bagnole est à côté, je vais poser mon sac et puis voilà quoi, je vais venir boire monter ici tranquille, ben, tranquille j'espère. Donc voilà la date de mobile. Bon, une randonnée qui est pas terrible, terrible. Hein. Je vous le dis franchement, elle est même à chier d'ailleurs. Ouais, je la referai pas quoi. Donc regardez-la bien parce que je vais pas vouloir filmer deux fois celle-là. Bon, allez, salut, on coupe.